Alors, cette petite robe mango, pépite. Pépite, elle est trop belle. Mais l'autre fois, quand je suis venue avec ma mère, et ben elle, je lui ai pris celui-ci qui s'appelle le Crispy Onion. Pendant qu'elle le mangeait, ça sentait tellement bon. Et j'étais à côté, je mangeais le Giant et j'avais grave envie de manger le sien. Je voulais grave le goûter, mais je voulais pas lui gâcher un croc parce qu'il est tout petit. Du coup, ben, c'est pas grave, j'ai mangé mon Giant et là aujourd'hui, je suis venue le prendre. Il sent trop bon en fait, ça sent les oignons frits. Donc je vais goûter, je vais vous dire s'il est trop bon. Bismillah. Regardez les filles, les maillots de bain. Coucou les copines, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. C'est pas un weekly vlog, j'avoue, c'est pas un weekly vlog. Ça va être un week-end vlog. Ça va être un week-end vlog. Les filles, désolée. Attendez. Désolée vraiment que ce soit pas un weekly vlog de toute la semaine. Mais en réalité, toute la semaine, j'ai rien fait. Je suis restée à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai acheté un pare-choc, comme je vous ai dit. Et le pare-choc que j'ai acheté, je savais pas que c'était aussi grand. Ça prend toute la voiture, ça a traversé complètement toute ma voiture. Du coup, il n'y a plus de place pour ma mère, mais Skina, elle peut se mettre nulle part à côté de moi. Du coup, bah, on n'a rien fait en fait. On n'a rien fait, on est resté à la maison, on n'a vraiment rien fait du tout. Du coup, j'avais rien à vous filmer. Mais là, on a réussi à faire un peu de place en fait. On a bougé le pare-choc comme il fallait. Du coup, il y a une petite place pour ma mère à l'arrière. À l'arrière, pas devant malheureusement parce que ça traverse. Du coup, aujourd'hui, on va faire des trucs et je vous ramène avec moi. On va aller voir, j'ai envie de voir la collection Barbie. Je vous l'avais déjà dit dans la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière, que je voulais voir la collection Barbie à Stradivarius. Et du coup, j'étais pas partie. Et bah là, je vais y aller. En fait, la voiture, les filles, elle est... je peux rouler avec, pour l'instant, je peux rouler avec. Mais elle est quand même déglinguée. Après bon, pour ceux qui me suivent sur Snap, vous avez un peu suivi. En fait j'ai fait n'importe quoi, j'ai acheté des trucs, mais j'ai acheté les éléments de la carrosserie, mais je les ai pas achetés de la même couleur. Sauf que quand vous achetez pas, d'ailleurs un conseil les filles, si vous faites un accident et que vous abîmez des éléments de votre carrosserie, achetez ces éléments de la même couleur que votre voiture. Mais vous allez me dire, mais Skena, elle est folle ou quoi d'avoir acheté des éléments de notre couleur? Mais c'est pas ça, c'est que moi j'ai pris des éléments neufs. Je me suis dit, je vais les acheter neufs. Sauf que la couleur d'origine d'un élément neuf de carrosserie est verte. Du coup là je dois colorer, je dois truc. En fait, bref, c'est n'importe quoi. Bref, je vous en parle déjà tout le temps sur Snap, donc on va pas se rendre malade avec ça. Là, je vais juste prendre ce petit rangement. Je l'avais acheté chez Miniso. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un tour chez Miniso. Ça fait longtemps et j'ai besoin de décompresser et d'acheter des petits trucs. C'est un petit rangement comme ça. Je voulais l'utiliser pour mes make-up et tout. Et ensuite, je me suis dit, bah, je vais le ramener en vacances avec moi. Et comme ça, ça me fera un rangement à Marrakech pour mes produits, pour mes make-up et tout. Mais juste, je suis trop pressée en fait. J'ai pas envie d'attendre. Du coup, bah, je vais le faire ici. Je vais le monter ici. Vous êtes en train de tomber. Je le monte avec vous et ensuite on sort, ok? On s'habille et on sort. Je vais voir la collection. Comment? Je vais voir la collection Stradivarius / Barbie. Comment on utilise? Ah non! J'ai compris. Ça, c'est à mettre dedans, comme ça. Pour qu'ils tiennent, bah oui. Hop, ça fait des petits rangements. Vous pouvez même les laisser comme ça. C'est trop mignon, c'est avec l'autre seau. Je vais aller voir, il y a quoi de neuf aussi chez Miniso. J'ai envie de décompresser un peu les filles. Les weekly vlogs, c'est le seul moment de décompresser, de faire des choses. Là, toute la semaine, j'ai rien fait. J'étais en train de broyer du noir. Oui, j'utilise cet express pour vous. Parce que bah, les garages m'ont arnaqué. Je me rends compte qu'ils m'ont arnaqué. À chaque fois que je vais chez un nouveau garage, il me dit que l'ancien garage m'a arnaqué. C'est bon, là c'est vraiment n'importe quoi. Bon, c'est comme ça. Tada! Trop beau. Petit rangement que j'ai eu pour à peu près 12 euros ou 14 euros, je ne me rappelle plus. Ça peut être un beau petit rangement make-up, vous pouvez en acheter plusieurs. Moi je pense que je vais en acheter plusieurs. Parce que j'avais dit, vous vous rappelez pas, j'avais dit que j'allais refaire ma chambre, sauf que j'avais un peu abandonné en cours de route. Mais si j'achète une coiffeuse, je poserai plusieurs dessus, parce que là j'ai pas la place pour poser plusieurs, j'ai la place juste pour poser un. Mais si j'en achète, si j'achète une coiffeuse, j'achèterai plusieurs rangements et ce sera mon rangement make-up. Il est super bien. Et ça fait plaisir d'avoir des rangements avec un univers que vous aimez, pas juste des rangements simples, neutres, blancs ou beige ou, vous voyez. Je suis contente de cet achat. Ça, c'est un achat utile. Et je le ramènerai avec moi à Marrakech, je pense. Voilà, bon. Je vais aller m'habiller. Et je vous reprends. Ah oui, regardez les filles, je prends ce sac maintenant. Regardez.
Maintenant, je prends ce sac. Vous vous rappelez que ma mère, elle me l'avait offert. Vous vous rappelez, en live, on était en live et la petite dame, elle était venue. Elle me l'avait offert. Il est super beau. Et en ce moment, c'est lui que je prends. Donc souvent, je m'habille en noir. Trop beau. Et je le mets avec ces claquettes-là. Attendez, je vous montre. Avec ces claquettes-là, qui est exactement le même rose. C'est vraiment exactement le même. À la caméra, on dirait pas, mais en vrai, c'est exactement le même. Et souvent, je m'habille tout en noir et je mets juste avec ça. Si vous voulez le lien de ces petites claquettes, je vous les mettrai en barre d'infos, ok? Elles sont trop belles. J'ai acheté des violettes aussi. Je vous laisse. On n'a pas dit ce que rien l'a dit. Elle a dit, montre-leur ce que t'as en bas. Non. Je vous laisse, je dois écrire des choses dans mon petit carnet. Aujourd'hui, au menu, du poulet avec plein de petits trucs. Bon appétit. Bon, les filles, je suis prête. J'ai mis un petit bandeau kaki avec un haut kaki et un pantalon kaki aussi. Et finalement, on va aller d'abord à Aromazon. J'ai des trucs à acheter, surtout au niveau de l'hydratation. Et il y a des trucs aussi que j'aimerais tester pour ma peau, pour changer un peu de ma routine dans ce moment. Même si en ce moment, en fait, je remarque que ma peau, elle est beaucoup mieux en ce moment. Et c'est parce qu'en fait, j'utilise une nouvelle routine. Ben, en fait, je me mets juste de l'aloe vera en réalité. Mais avant ça, je me mets d'abord de l'eau. Non mais c'est vrai, les filles, de l'eau de source parce que ça hydrate votre peau et ensuite vous mettez de l'aloe vera, ce qui permet de capter. Et par dessus j'aimerais bien aussi mettre, enfin non, avant ça j'aimerais bien mettre un sérum. Et le sérum je vais aller le chercher à Aromazone. Bref, je vous ramène avec moi et ensuite on verra ce qu'on fait la suite de la journée. Peut-être que je vais passer voir la collection Barbie Astradivarius comme je vous ai dit. Et peut-être faire un tour aussi à Miniso. Mais voilà, en tout cas j'aime bien porter des petits bandeaux comme ça. Avant je faisais tout le temps ça, vous vous rappelez, il y a longtemps. Et j'avais arrêté, là je vais aller m'en racheter de plein de couleurs. En vrai, ça c'est au marché, hein, Kane. Ça vous pouvez trouver au marché ce genre de bandeaux, pas la peine de les acheter cher à autre part, alors qu'il y en a plein au marché, de plein de sortes. Ce serait bien que je me le marché d'un. En fait, d'habitude, moi, deux fois, je dépose ma mère dans des marchés et je reste pas avec elle. Par exemple, des fois, je la dépose au marché de Sarcelles, qui apparemment est très bien, mais je reste pas avec elle parce que j'aime pas la foule, les chercher pendant longtemps et elle, souvent, elle va des autres trucs que moi qui m'intéressent pas. Du coup, je suis obligée d'attendre et tout. Il y a trop de monde et j'aime pas. Les ambiances des marchés, j'aime pas, vraiment. Mais là, comme j'ai besoin de quelques petits trucs et tout avant d'aller au Maroc, et ben, je pense que je vais y aller avec elle demain. Donc, je vous ramènerai avec moi demain parce que de toute façon, ça sera c'est pas un weekly vlog, mais ça sera un vlog en deux jours en tout cas. Bref, c'est parti. J'ai une envie de faire pipi, les filles. Hardcore. Donc là, il faut absolument que j'aille d'abord dans le centre commercial aux toilettes. Sinon, je peux pas. Rassim, chez toilette, maman. Il y a Kaylena au centre commercial. Toilette. 1h50. Elle a dit 1h. Elle a dit 1h50. Non, mais il y a Kaylena à toilette, centre commercial. Normalement, oui. Ah, parce que là, si je fais pas pipi, les filles, je vais mourir. Regardez les filles, les maillots de bain. On est dans la marque Etam. On est chez Etam. Regardez les maillots de bain. Il me faut un maillot de bain comme ça, taille haute, mais avec une jupe. Mais je trouve pas de jupe. Je sais qu'Undies, ils font des jupes ici, j'en trouve pas. Ah si, les filles, ici, il y a des jupes, mais elle est trop belle. Hein. Mais j'aime pas le haut, en fait. Il est trop. Dommage. Dites après les Elle est fichée à Aromazone, vous avez plein de nouveautés, enfin en tout cas moi je les connaissais pas. Là par exemple vous avez une huile protectrice de soleil, genre une huile que vous mettez sur vos cheveux avant de vous exposer au soleil parce que le soleil ça abîme les cheveux avant de rentrer dans l'eau de piscine et tout, c'est trop bien ça. Mais bon moi comme je veux m'exposer au soleil avec du miel et des produits éclaircissants, j'en ai pas vraiment besoin. C'est bon, on a fini. J'ai acheté plein de petits trucs chez Mango, plein de petites robes et tout, je vous montrerai à la maison. Et j'ai aussi fait tout mon stock de tout ce dont j'ai... Attends, bête, t'es venue. Ça a fait de même. Et j'ai aussi pris plein de trucs à Aromazone. Pareil, quand je rentre, je vous fais le haul, ok? Non, à cause du pare-choc, je me chauffe, mais t'inquiète. Là, la matralie, je vais faire un reçu. Pas une chauffe, mais là, voilà. Ah, oh, ça fait du bien le vent. Waouh. Ouf. Un de tiki, maman? Ouais, on se levait d'un tiki.
chaussettes. Merci, là, ça va, on va. Bon, les filles, je suis rentrée à la maison et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris chez Mango et je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai pris chez Aromazone. Et il y a aussi quelques petites robes que j'ai pris sur internet. Je vous montre. Alors, chez Mango, j'ai pris des robes d'été, mais j'ai aussi pris un t-shirt comme ça, super beau, noir, avec un col un peu. Avec un col V blanc. Et il m'a coûté celui-ci 15,99€. C'est un basique, il est super beau. Ensuite, j'ai pris cette robe. On va l'essayer parce que j'ai essayé aucune robe, ok? Celle-là, elle a l'air super belle. C'est parti, on fait une transition. 1, 2, 3. Attendez, je vais me lever. Et elle est comme ça. Elle est super belle. Je l'ai achetée pour 30€ environ. Elle est vraiment trop belle. Par contre, j'ai pris une taille XL. Et là, je suis en train de me rendre compte que non, j'aurais pu largement prendre une taille L, voire même M. Elle serait un tout petit peu plus cintrée au niveau d'ici et ça aurait fait plus joli. Ensuite, j'ai pris celle-ci, toujours chez Mango. Alors, elle a l'air incroyable. Rose comme j'aime. C'est parti, on l'essaye. Transition. La rose, elle est plutôt comme ça. La couleur, elle est incroyable. Vraiment trop, trop belle. Moi, j'aime bien. Encore une robe de chez Mango. On fait une transition. 1, 2, 3. Pchit, pchit. Voilà. Trop belle elle aussi. Vraiment trop jolie. Très la beauty. Elles sont toutes trop belles. Ah voilà. Moi, c'était Baniche. Pépite. Pépite, elle est trop belle. Et elle est légère en fait. Pour cet été, elle est légère. De toute façon, j'ai pris que des robes comme ça. Là, j'ai pris des robes aussi hyper légères. Je les ai pris du site. Je vais tout vous mettre en barre d'infos de toute façon. Même ceux-là, je vais vous les mettre en... Ensuite, les filles du site Mondial Dress. J'ai pris deux paires de talons. J'ai pris celles-ci. Elles sont toutes les deux à 18€. Elles n'étaient pas à 18€ quand je venais de les acheter. Elles étaient à 25. Mais là, elles sont passées en promo à 18. Du coup, j'ai pris ces deux-là. Ça, c'est vraiment la base. Vous savez, c'est des chaussures que je porte pendant tout l'été. J'en ai porté plein l'année dernière à Marrakech. Là, j'ai pris eux en rose. Ils sont trop, trop beaux. Je vous les ai montrés en début de vidéo. Je les mets avec un sac rose trop beau. Et j'ai aussi pris ceux-là aussi, pépites ceux-là. Ils font un pied magnifique. Attendez, je vous montre. Bon, là, il y a mon bracelet, calculez pas. Mais en vrai, sans le bracelet, ça fait un pied incroyable. Le talon est bien carré, donc ça fait magnifique. Et les petits fils, là, ils sont trop beaux. Et ceux-là, je les avais pris à 25€. Et là, ils sont en promo à 18€, je viens de voir. Dommage qu'ils n'ont pas d'autres coloris, sinon j'en aurais pris d'autres pour cet été. Trop beau. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, ok les filles? Là, je vais aller manger, j'ai super faim. Je vais manger ce que la petite dame m'a préparé. Je vous montre. C'est du kebda qu'on mange avec un peu de tomates, des oignons frits et des olives. Bon appétit. Et je bois dans le verre de la petite Suki. La petite Suki qui me l'a ramené à l'événement. Trop beau. Ah oui, les filles, je vous ai même pas montré ce que j'ai pris à Aromazone. J'ai pris ce sérum concentré à l'acide hyaluronique. C'est celui que j'ai l'habitude de prendre avec aussi le sérum niacinamide qui est trop trop bien. Toujours mettre un sérum après s'être vaporisé la peau avec de l'eau, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Et là, vu que je suis dans une routine hydratante, tout est hydratant. Donc si vous, ça ne vous convient pas et que vous avez besoin d'autre chose, bah, prenez pas la même routine que moi. Mais moi, c'est vraiment hydratant. Juste après, j'applique de l'aloe vera. Et juste après, j'applique de la crème neutre, riche en aloe vera aussi, donc hydratante. J'ai repris de l'acide hyaluronique pour le bled. Ensuite, j'ai pris de la vitamine C. Je ne connaissais pas du tout ce sérum, mais j'en ai entendu du bien. Donc je vous dirai s'il est bien. Je l'utilise un peu là ce soir et ça va, il est bien. Je sais pas s'il fait une petite je sais pas s'il donne un effet bonne nuit, mais je vous dirai sur le temps. On a pris du savon de Marseille aussi, mais que je viens de me laver avec. Et regardez les filles, on a pris du beurre de karité. Regardez et tout ce que j'ai utilisé déjà en beurre de karité. Quand je vous dis que je suis une consommatrice avérée de beurre de karité, alors que là je l'ai acheté là avec vous dans le vlog, hein. Et dites-vous, j'ai déjà mangé tout ça de beurre de karité. Mais parce que les filles, j'aime trop le beurre de karité, j'en mets partout pour ma peau, pour tout en fait, pour mes lèvres, pour tout. Le beurre de karité, c'est vraiment la vie. Coucou les copines, bienvenue dans une nouvelle journée. J'ai pas eu le temps de me maquiller, j'ai déposé ma mère. J'ai déposé ma mère là au marché. Et comme elle m'a un petit peu pressée, et ben j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de choses. J'ai juste pris un anti-cerne, un pinceau d'anti-cerne, un bronzer et un mascara. Donc il va falloir qu'on se maquille juste avec ça. Je sais pas quoi on va faire.
Attendez, je pousse un peu le miroir. En vrai, c'est un peu les essentiels. Donc... je vais éternuer. Ah, le problème, il est en train de me rendre malade vraiment. Mon pare-choc il est toujours pas installé. Ouais. Bon, primo, on va tracer mes sourcils juste avec de l'anti-cerne. Super fin, on va aller manger aussi les filles, ok? J'ai méga faim. Je devais aller au marché avec ma mère. De base, c'est moi qui voulais aller au marché. Mais j'ai vu le monde qu'il y a là, je vois de loin, c'est trop. C'est trop, j'aime pas. J'aime pas aller dans des endroits où il y a trop de monde. Je fais une exception pour les centres commerciaux parce qu'il y a toujours des petits voilà, des petits trucs où il y a un peu moins de monde, mais les marchés, c'est trop, on est tous collés. On est collés serrés au marché, on est collés serrés. Oh, les filles. Oh my god, j'ai oublié de vous dire les résultats. Oh, pardon. C'est une longue robe, hein, les filles. Celle-là aussi, elle vient du site Mondial Dress. Elle est trop bien. Celle-là, elle est légère, elle est fluide de fou. Je disais quoi? Oui, les filles, demain, c'est les résultats des masters. C'est demain. Ça devait être le 24 et ils ont décalé. Aujourd'hui, j'ai peur. Si cette fois, je suis pas acceptée aussi, je vais tomber en dépression. Ça y est. Je vais tomber vraiment en dépression par contre, là je parle sérieux là. J'espère que cette année c'est la bonne. Un peu là. Et pourquoi pas un peu là. J'ai plus d'anticerne, faut que j'aille m'en acheter un nouveau. Wow. J'ai peur les filles pour le master de demain. Je sais pas si on découvre les résultats ensemble en live ou pas. Je sais pas si je prends ce risque. Parce que j'ai pas envie de... Si c'est positif, c'est trop bien si on est en live. Mais si c'est négatif, j'ai pas envie de vous plomber le moral. Donc j'hésite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit le faire en live ensemble ou est-ce que c'est mieux que je le fasse juste toute seule de mon côté et que je vous le dise après? Ou qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les petites Toki? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Je sais qu'il y en a plein aussi qui sont dans mon cas. Comment on va faire? Tout mon cœur, je l'espère pour vous. J'espère même que je serai dans... Si jamais je suis prise, j'espère que je serai dans la même fac que des petites Souki. Vraiment, ça pourrait être trop bien. Hassabik. Analytique. Analytique, je dirais. Analytique ou analytique, c'est un peu la même chose. Moi qui me prépare pour mon master. Non, je sais pas les filles, je sais pas. J'ai... En tout cas... Peu importe la décision, mais c'est vrai que je serais vraiment triste si je suis pas prise. J'espère, Inch'Allah, je suis prise dans un des masters. Vraiment, j'espère de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Je l'espère. Je souhaite rien d'autre. Je veux juste ça, mon refuge, réparer ma voiture. Et c'est tout ce que je demande. Je demande pas une vie de fou. Je demande pas une vie palpitante, une vie de dingue, une vie de quakubaka. Au secours! Au secours! Putain, mais je suis pas marrante, quoi! En fait, moi, il faut pas me montrer des rêves ou des traits de des trucs comme ça. Ça sert à rien, ça le fait pas. Non, mais. C'est tout. Non, en vrai, les filles. C'est tout ce que j'espère. C'est tout ce que j'espère. Juste. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Hein. Un master, mon refuge et réparer ma voiture. C'est tout. C'est tout ce qui me ferait plaisir. J'ai essayé de mettre un peu de mascara. Et je me mets jamais de mascara. Je connais pas ma tête avec du mascara. À force de mettre des fossiles. Attendez, je suis en train de clamser. Il faut que je vous les mette. Désolée pour les bruits de la voiture. De toute façon, je vais bientôt partir. Là, on va aller chercher un truc à manger. J'ai bien envie de manger un petit quick halal. Ou peut-être un petit Burger King. En tout cas, les filles, si je suis prise à mon master, je serai vraiment en mode Kwakubaka cool. Et si je suis pas prise, je serais vraiment en mode Kwakubakatrice. Putain, mais t'as 25 ans, Skyna, là. J'aime les traînes des petits. On n'ira pas loin si t'écoutes les gens. Bon, j'ai bientôt fini.
Je sais pas combien de couches on doit faire quand on met du mascara, j'en sais rien de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Parce que je me mets jamais de mascara. Je suis rentrée du noir, non, pitié. Alors moi je déteste avoir du noir ici, vraiment. Quoi effrayant. Ça va grave aussi aux marocaines, c'est un peu leur marque de fabrique, hein, le col aux marocaines, aux chilhat et tout. C'est trop beau. Mais moi je déteste avoir le dessous noir, vraiment. À l'intérieur de mon cil, voilà, tellement je suis déterminée. Alors je vais faire ça, et je vais faire ça. J'aime pas quand il y a des traces de kohl ou de mascara. Encore au-dessus, oui, mais pas en dessous. Voilà, c'est bon. Ouf, quoi que m'apaiser. Ouf, quoi que génial. En fait, avec vous, je peux pas dire t'es pas menteuse toi. Je peux pas dire voilà, je peux pas dire ah t'es pas menteuse toi. Je peux pas dire quoi coup quelque chose. Je peux pas dire qu'est-ce que je peux dire. Qu'est-ce que je peux dire alors. Qu'est-ce que je peux dire. Je peux pas dire approcher et regarder. Si vous connaissez pas la traîne des fesses, normal que ça vous fasse pas rire. Faut avoir les rêves. Non, pardon les petits Toki, il faut parler jamais comme ça. Ah, je suis en train de crever de chaud. Bon les filles, bon, voilà, petit make-up très non Soukaina, très qui ne me ressemble pas. Petit make-up très quoi agaçant. Un make-up vraiment qui ne me ressemble pas. Pardon les filles, on va rester comme ça. Là, je vais aller chercher quelque part où manger et je vous ramène avec moi. Bon les filles, ça y est, on est arrivé. Vous savez ce que j'ai pris là? La petite dame elle a pris un suprême et moi j'ai pris un. D'habitude au quick je prends toujours un giant, toujours un maxi giant, toujours. Mais l'autre fois quand je suis venue avec ma mère, et ben elle je lui ai pris celui-ci qui s'appelle le crispy onion, le classique crispy onion. Et pendant qu'elle le mangeait, ça sentait tellement bon. Et j'étais à côté et je mangeais le giant et j'avais grave envie de manger le sien. Je voulais grave le goûter mais je voulais pas lui gâcher un croc parce qu'il est tout petit. Du coup ben, c'est pas grave, j'ai mangé mon giant et là aujourd'hui je suis venue le prendre. Elle a pris un suprême, je vous dirai s'il est bon. Mais dans l'odeur et tout il m'a pas donné envie. Mais celui-là il m'a donné trop envie. Il sent trop bon en fait, ça sent les oignons frits. Donc je vais goûter, je vais vous dire s'il est trop bon. Bismillah. Il est trop bon. J'adore. Oh mon dieu. Waouh. Incroyable. Dommage qu'il est petit. Dommage. J'ai ouvert les portes pour faire des courants d'air. Et j'ai ouvert toutes les fenêtres. Je sens l'air passer, c'est trop bien. J'ai enlevé mes chaussures et je porte une robe hyper fluide que j'ai remontée comme ça. Donc j'ai grave pas chaud, je suis contente là. Vraiment, ça m'a beaucoup plus. Trop bon. Waouh, vraiment. C'est délicieux. Incroyable. Le tien, il est bon. Le tien aussi, il a l'air d'être bon. Se mettre à côté de moi à cause de ça. Je vais éviter de le taper comme ça parce que je l'ai acheté très cher. Neuf. Bon. Et ben, ma mère, elle est sortie pour avoir un courant d'air parce que derrière il est encore plus chaud devant. Je suis pas déçue. Être déçue du tout d'avoir pris vraiment. Il est mieux que le Maxi Giant qui est mon préféré à Cook. Délicieux.
Bon les filles, là on est parti à Tom & Co avec la petite dame. Et on a pris des petits trucs pour les chats. Je vous montre ce qu'ils mangent. Vous pouvez acheter ça pour vos chats s'ils ont les mêmes goûts. Ça. Ouais, c'est vrai, elles savent les petites souquilles qu'on achète que des trucs. Enfin, la plupart des trucs on les achète chatons parce que nos chats ils préfèrent même si c'est des adultes. Donc on a pris des petits cubes comme ça. On en a pris quelques-uns. Ensuite, on a pris des croquettes comme ça. Ils aiment trop les croquettes, ceux-là, la Royal Canin stérilisée, pour chat stérilisé. Bon les filles, je vais vous quitter parce que c'est la fin de ce weekly vlog, mais je vous montre juste ce qu'on va manger aujourd'hui. Une petite salade, des petites côtelettes et des petites olives. Gros bisous les copines. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.